On va revenir du coup sur des punchlines que t'as donné dans tes morceaux et puis tu vas nous expliquer ce que t'as voulu dire par là. Donc la première, c'est « Il te juge au faciès, Bessif », je sais pas si je prononce bien, je vais pas faire Bessif, c'est ça, ouais. « À deux doigts de me farcir un HSBC », c'est un extrait de Favelas. Ouais. Qu'est-ce que t'as voulu dire par ça ?« Il te juge au faciès, Bessif, à deux doigts de me farcir un HSBC ». Je veux illustrer le fait que tu peux être parfois discriminé à ton apparence aujourd'hui. C'est une réalité. C'est une réalité, tu vois. Et dans tous les horizons, tu vois. On discrimine, frère. Moi, je sais comment ça se passe. On discrimine les gens de couleur, les obèses, les gens à cause de leur religion aussi, pas mal. C'est un peu la mode en ce moment. Les gens qui sont atteints d'un handicap. Les gens. Frérot, ces gens-là, c'est des humains. Tu vois, parce que tu leur as donné tous ces noms-là, là. Mais c'est toi qui leur as donné ces noms-là, tu vois. Leur mère, elle leur a donné un nom de prénom à la base, tu vois. Et ils sont arrivés en tant qu'êtres humains sur Terre, tu vois. Donc, voilà. Ça, déjà, le fait de juger sur l'apparence, c'est basé sur rien du tout, frère. Et après ça, à deux doigts de me farcir un HSBC, ben c'est pour montrer que... C'est pour montrer que... Est-ce que ça aurait pu te faire dériver, Ça peut nous faire dériver, ouais. le fait d'être discriminé tout le temps, le fait de pas avoir accès à tout, ça peut t'aider. Ça peut mener à ça, en tout cas. Ça peut te mener à des choses voilà, qui sont pas bonnes pour toi, et que toi-même, t'en es conscient à la base. La phase suivante, c'est sur un extrait de Barrio. À bander sur les vues, ils ont négligé le talent. Heureusement, mes vaillants ont toujours su ce que je valais. Ouais. Qu'est-ce que t'as voulu dire par ça? Est-ce que tu penses qu'il y a entre les vues et le talent des fois des rapports qui sont un peu... Non, c'est pas ça. Je pense qu'une fois que tu fais des vues, c'est qu'il y a quelque chose. Ouais. Même si nous on peut pas capter ton talent, d'autres personnes le captent, donc il y a quelque chose. On n'a pas la science infuse, c'est sûr. Mais je pense que le talent ne se mesure pas aux vues, ouais, plutôt. Tu vois, je connais des gens qui sont beaucoup moins buzzés que moi et qui me découpent, ouais, littéralement. C'est pas exclusivement les vues qui font le talent, en fait. Exactement. Et donc, heureusement, mes vaillants ont toujours su ce que je valais. Ça veut dire, j'ai eu des épisodes où peut-être j'ai eu un peu moins confiance en moi, j'en parle souvent, comme quand j'ai envoyé 4 tours. Le clip 4 tours, moi, comme je le dis souvent, j'ai cru que j'allais faire 10 millions de vues avec ça. Ouais. J'ai cru que c'était un truc de fou. D'ailleurs, j'en démords pas, c'est encore un truc de fou au niveau du texte et tout. Mais pas tout le monde. Il a pas eu l'accueil que tu pensais. Et tant mieux. Et tant mieux, parce qu'il m'a fait comprendre qu'on était dans un autre mode de consommation et que pas tout le monde ne peut comprendre ce que je dis. Que parfois, j'envoie trop d'informations et que le message, il est dilué. Ouais. Finalement, le message, il passe pas. C'est pas mon objectif. Mais c'est ouf parce que t'as un discours d'un mec, on dirait que ça fait 10 ans que t'es dans le rap game, quoi. Genre, carrément, c'est. Mais ça fait 10 ans que je suis dans le rap, frère. Ouais. Mais le game, ça fait un an. Ouais. Allez, un an et demi, si tu veux. Ça fait 2 ans qu'on a commencé à travailler avec ma structure Bilka Prod. On a eu rapidement des résultats, certes. Mais ça fait 10 ans que je fais du rap. Oui, parce que du coup, la façon dont t'en parles, c'est genre, il y a des moments où t'as failli arrêter, où t'as repris. Ouais, et ouais. C'est peut-être à ce moment-là, sûrement, que les vaillants t'ont aidé aussi, à pas lâcher l'affaire. C'est des moments durs dans lesquels tu dois aller chercher la force chez ton public, chez tes vaillants, chez les gens qui te donnent de l'amour, comme tu l'as montré là, tu vois. Et c'est eux qui font tout. La dernière punchline, c'est un extrait de Fruit de mon époque. Alors, elle est un peu longue. Hein. Je me fais payer par le patron de la boîte car sans moi, sa pute dans la boîte n'est pas remplie. Ouais. Et dire qu'avant ça, je pouvais pas rentrer. Ouais, lourd. Celle-là, je voulais bien la mettre. Celle-là, elle m'a fait marrer. C'est réel, frérot. Comment tu prends le fait que du coup, ce changement de rapport en fait que t'as par rapport à ce que t'étais avant et ce que tu es maintenant grâce au rap, grâce à la musique? Et le changement de regard que ça a apporté, en fait? Ça m'a fait grandir. Ça m'a fait comprendre que tu vaux par la place que tu occupes, en fait. Est-ce que tu le vis comme une revanche? Pas du tout. Non. T'es pas quelqu'un de revanchard? Pas du tout, parce que j'ai aucune revanche à prendre, frérot. Ouais. Tout le mal qu'on a pu me faire, j'en garde aucune rancune. J'espère qu'on me pardonnera le mal que j'ai fait.
mais je veux prendre aucune revanche contre personne. J'ai eu une enfance heureuse, j'ai eu une maman qui m'aimait, j'ai eu des grandes sœurs qui m'aimaient, des grands frères qui me protégeaient. Certes, il y a eu des épisodes durs, j'ai eu des grands frères incarcérés, des amis incarcérés, tout ça, mais tout le monde a eu ses problèmes. Et alors qu'il est comme moi, je fais le bilan de ma vie, je pense que ça s'est plutôt bien passé. J'aurais pu faire des choses mal, j'aurais pu glisser, j'ai certains amis qui sont plus là. Malheureusement, j'ai d'autres amis qui sont encore incarcérés. J'ai d'autres amis qui sont en études de médecine, frérot. Aussi. Tu vois aussi. Voilà. Et ça, c'est important de le notifier. Mais voilà, je pense que le bilan de ma vie, il est plutôt heureux. J'ai aucune revanche à prendre. Donc, c'est juste un petit peu, on va dire, ça fait juste plaisir de se dire, bah avant j'étais recalé de boîte, maintenant je rentre tranquille. Non, c'est moi rire. Qui l'ai rempli, tu vois. Non, ça fait rire. C'est plus ça, ouais, ça fait plus marrer. Qu'avant ça, je pouvais pas rentrer. Genre, tu vois, c'est moi qui l'ai rempli. Genre, ça fait rire, c'est ironique. voilà, c'est tout.